aujourd'hui. Attendez, je me mets un petit peu à l'ombre pour pas que vous ayez de reflets. Voilà, nous revoilà aujourd'hui donc à l'endroit donc là où il y a la légende du tombeau perdu. Voilà, je suis avec mon petit homme. Vous pouvez le voir. Est-ce qu'il est... Bonjour. Tu dis bonjour. Donc voilà, aujourd'hui on retourne à l'endroit toujours pareil là où on a trouvé toutes les pièces. On va passer la journée là et on va voir ce qu'on va découvrir. Donc toujours pareil, après on va certainement partir en explo en fin de journée. Mais bon, on essaie de mélanger détecteur toute une journée par exemple. Et ensuite exploration toute une journée tout en ayant le détecteur. Mais bon, après il faut être discret. Mais bon, là où on est, il n'y a personne. Voilà. C'est juste en revenant après sur les chemins un peu plus fréquentés qu'il faut planquer le détecteur voilà, pour que personne ne nous voit si jamais on croise quelqu'un, quoi, tout simplement. Donc bah écoutez, bah c'est parti. On va sortir le détecteur, on va préparer tout ça et on verra ce qu'on trouve aujourd'hui. Allez, à tout à l'heure. C'est 8. 8 et 1. Ou alors comme ça. Non, le 8 il est comme ça. Donc 8 et 1, 2 ou un truc comme ça. Donc encore un bouton militaire. Ça voilà. C'est rien. Ben si. Si c'est un 8 et un 2, c'est 82e régiment d'infanterie. Voilà. Donc ouais, il y avait 84. Des militaires. 84 hein? Oui. Et ben voilà, 84e régiment d'infanterie. Au milieu de nulle part, voilà. Donc c'est, et là c'est en face, je crois, qu'on avait trouvé la pièce de Louis XVI la première fois qu'on est venu ici. Bon, on avait eu de la chance hein, parce que ben, c'est un endroit où il n'y a pas de, comment dire, c'est quoi, où c'est pas destiné à de quoi, c'est des temps. Bon, on continue. Voilà, on vient de trouver ce bouton et en fait il faudra que je le prenne en photo avec le téléphone. Il y a écrit, vas-y dis-le, il y a écrit équipage militaire. Voilà, il y a écrit équipage militaire. Alors moi j'allais le jeter parce que j'ai cru que c'était un truc de chasseur. Oui, j'ai cru que c'était vous savez, le dessus là, le percuteur directement d'une balle en fait. Et en fait, voilà, bon, mon fils il l'a gardé, tant mieux. Donc, ce qui nous prouve, bon, on l'a trouvé là, voilà, en surface pratiquement. Ici. Tu le ranges? Oui. Ce qui prouve qu'il y avait des armées, enfin du moins des soldats, ici. Donc on continue, on va récupérer le sac, si on arrive à le retrouver, bien évidemment. Mais il ne devrait pas y avoir de soucis. Alors tu vois, regarde Minou, on va continuer ici là. D'accord. Voilà, on le met dans le sachet. Hop, et on continue. Allez, c'est parti. Voilà, on vient de trouver un médaillon que mon fils encore est en train de gratter. C'est un retour de mission certainement, non? Oui, c'est un retour de mission. Non mais là tu le vois, tiens-le à l'endroit. Bouge pas. Je fais le tour. Je finis ici avec la caméra. Mmh. Vous voyez, on le voit pas extrêmement bien. Vous pouvez apercevoir une croix avec un M. Donc bon, c'est un retour de mission. Hein. C'est typique maintenant en fait après la Révolution, des prêtres allaient dans les villages pour redonner la foi tout simplement aux habitants. Voilà, puisque les hommes de Robespierre et de Danton qui faisaient régner la terreur en fait tuaient les prêtres qui n'étaient pas d'accord avec eux. Voilà, qui ne voulaient pas se convertir à leurs idées.
Et du coup, quand Napoléon Ier est arrivé au pouvoir, il a pardonné à tout le monde, que ce soit étrangers, prêtres, donc voilà, pour instaurer son premier empire. Donc c'est à partir de ce moment-là, bon, avant Napoléon, hein, que je crois que c'est pendant l'instauration du Directoire, juste après la Révolution, où les prêtres allaient dans toutes les campagnes, dans tout village, pour redonner la foi. Voilà. À tous ces hommes qui avaient perdu confiance à l'État. Voilà. Donc voilà, toujours pareil. On est là. Voilà, mon fils est en train de nettoyer le médaillon et on l'a trouvé ici. Voilà. Ici. Et vous entendez, hein? On entend rien du tout. Voilà. On entend que les bestioles qui nous tournent autour. Voilà. Mais vous voyez le paysage aux alentours. Aucun bruit urbain. Bon, c'est reculé. C'est assez reculé. Donc voilà. Donc voilà. On continue. Là, il y a de la terre retournée. On va aller voir. Bon, nouvelle trouvaille. Hein. Qu'est-ce qu'on trouve? Un bouton. Ouais, mais alors ça ressemble à une pièce, mais quand on le tourne, on se rend compte que il y avait la boucle qui tenait par le fil, voilà, directement sur l'uniforme. Attends, je vais le mettre comme ça. Voilà, reste comme ça. Voilà, bouge pas. Montre l'autre côté. Tu sais, vieux, c'est dingue ça. Voilà. Donc là, on va continuer dans cette ligne-là, toujours en aval du mur. Comme vous pouvez le constater, on va continuer dans cette ligne et pour l'instant ça y va quoi. Voilà, on va continuer. Je laisse mon fils le gratter, on le prendra en photo et de toute façon on le mettra sur la communauté quoi. Voilà, pour que vous voyez toutes les trouvailles de chaque sortie. Allez, on continue. Hein? Alors, on vient de trouver une pièce. Entre. Attendez. Ouais, non, mais c'est les. Pareil, c'est les. Non, mais on voit pas avec ton doigt. Voilà. Montre l'autre côté si t'as des inscriptions. Oh, si, regarde, regarde. Là, t'as un P à mienne, là. Où? Regarde bien. Mais Attends. là, la lumière. Voilà, ici. Montre, je te montre. Là. Un P et un N, juste là. Oui, attends. On va essayer de la gratter. Voilà. On va continuer, en même temps mon fils y gratte la pièce. Donc ça doit être un double tournoi certainement. Voilà, parce que bon, c'est des petites pièces. Et en fait, on est en bas du mur. Ça reste là, je vais juste montrer là à ceux qui nous regardent. Vous voyez ici. Reste là. Regardez. On est en aval du mur que vous avez vu la dernière fois. Et c'est quand même un mur conséquent. Hein. Bon, là, on fera une ligne entière pour chercher là, à côté du mur. Voilà. Alors, vous voyez quand même, c'est. Le mur, il est conséquent quand même. Donc en fait, ils ont fortifié toute cette zone ici. Voilà. Là, ils ont construit le mur. Voilà. Pour refaire des cultures ici, voilà. Ou du bétail, voilà, tout simplement. Et ce qui protégeait en même temps, ils consolidaient le terrain pour protéger en même temps leur culture. Voilà. Donc on va rejoindre mon fils qui est en train de gratter la pièce. On va continuer cette ligne ici, en ligne droite, et on verra bien. Nous continuons notre périple à travers la forêt, cette même forêt qui renferme tellement de richesses oubliées. Nous suivons la piste pas à pas et notre détermination va finir par payer. Voilà, là on vient de trouver tout pas mal. Carrément, oui,
voilà, dans ce trou. Et mon fils, il est en train de gratter. Montre, montre que ça représente. Le garder à la main et regarde là-bas, il y a le chemin et après on va suivre le chemin. Voilà. Oui, vous voyez tout ça, t'as vu comment c'était profond, mais ça l'a bien détecté quand même. Donc c'était à 80, c'est du cuivre, ça doit être du cuivre. Voilà, donc c'est toujours pareil, on est toujours au même endroit. Hein, c'est que ça. Alors qu'est-ce qu'il y a? Il y a rien. J'ai gratté le bouton. Oui, regardez. C'est un aigle, sauf que la tête elle y est plus. C'est dommage, hein, on aurait pu le récupérer entier. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Nous continuons la piste en quête de vérité. Et les prochains épisodes risquent d'être mouvementés.